Bonjour les gars, bienvenue sur un tout nouvel épisode de notre club FIFA 23, toujours avec 0€. Aujourd'hui les gars, comme d'habitude, on se retrouve sur le compte Xbox. Oui les gars, je sais, j'ai le même pull qu'hier, ça m'a vanné là dans le chat Twitch. Ça faisait des mois que j'avais pas mis ce pull là, c'était hier, là du coup je le remets deux fois. Oui, là, tu le rentabilises, faut le rentabiliser. Parce que c'est un pull et qu'il est pas sale, tout simplement les gars. En tout cas, si tu fais la vidéo, lâche-moi le gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche de notification si tu veux rejoindre aussi les boys qui se trouvent juste là. Voilà, les frérots qui sont en stream sur le chat Twitch, à partir de la semaine prochaine, les gars, ça va envoyer au niveau de la Toti. Là, c'est le dernier future point avant la Toti. Il faut que tu joues avec une équipe arrondable. Essaye au maximum de jouer avec une équipe arrondable. Ça, c'est l'équipe que je vais jouer. J'ai juste acheté Dembouze, que j'ai acheté pour 130 000 crédits. Je risque un peu de perdre crédit avec lui sur la revente, mais au moins, voilà, je vais m'amuser. C'est un joueur à 5 étoiles de geste technique. Je vais jouer en 4-4-2 ce week-end. Grosse Tchouaméni, la base. La sentinelle, le point d'équilibre de l'équipe, la colonne vertébrale du club, Tchouaméni, à deux doigts de le mettre capitaine. Je vais appeler la médecine du travail, là. Tchouaméni, il a besoin de repos. Je vais mettre capitaine Tchouaméni. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est le leader de cette équipe, il fait les efforts sur Rochini. Voilà, c'est lui le leader. Et donc du coup, je joue en 4-4-2. Voilà les gars, avec Schmollarek et Dembouz sur les côtés, avec comme instruction, revenir en défense, tout simplement. Non les gars, non, franchement, faut faire quelque chose pour Aurélien là. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour jouer autant, frère? Tu vas pas lui donner un peu de vacances? Il a 90 ans d'endurance, il est prêt, il a envie de jouer tous les matchs. Même les matchs de Coupe de France. Et même les Twins, c'est quoi, il veut dire non, je veux jouer contre Liam. Voilà. Le pull, il a le même temps de jeu que Tchouaméni, c'est effrayant. Ouais. Tchouaméni, c'est l'image de Pedri fatigué. Ouais. Ouais, Tchouaméni, là, il va faire son 46ème Fut Champions. Oh, Lulu! Oh! Merci, Lulu. Ce but est pour toi, Lulu. Merci, Lulu, pour les 5 abonnements offerts. Merci, Lulu. Regarde, Tchouaméni, regarde, Tchouaméni. Même Cap de Villa, frère. Cap de Villa, héros, quoi, sérieux. Oh, le contrôle. Gersigno, ouais, peut-être pour les... Ouais, en vrai, Gersigno, c'est peut-être un bon SBC qu'il faut le faire. Tiens. Mais après, il coûte tellement cher, Gersigno, aussi. Non, en vrai, les gars, je joue mal à FIFA, là. Tu sais, je suis pas dedans, là. T'es pas motivé, en fait. Il y a peut-être moyen, les gars. En fait, t'as pas trop de motivation, c'est ça. Pourtant, c'est pas que j'ai... Là, j'aime pas FIFA, c'est pas que j'ai pas une joie à faire, mais là, c'est vrai que... C'est dur de se mettre dans les matchs, là. Tiens! C'est dur de... Il y a la carte des swap icônes dans les cartes spéciales. Peut-être que ça peut arriver alors. Moi je dis, je pense que Swen il lave Liam à FIFA. Version Molière. Ok, ok. Je pense que Swen tabasse Liam sur FIFA. Vous streamez du Fortnite les Twins? Non, pas pour le moment, mais peut-être après la Toti, peut-être qu'on va se faire 2-3 fins de live. Comme hier, on a fait du Fall Guys un peu en fin de live. On va s'envoyer les gars. Il y a peut-être moyen qu'on fasse du Fortnite, ouais. Mais par contre, les gars, Fortnite, on joue méta et on est mauvais. En fait, on est des petits rats sur Fortnite et on est mauvais. Mais bon, on est quand même meilleur que 95% du chat. Go Skelly à la World Cup, les zinzins. Ouais, ça doit être à la World Cup de Roubaix, peut-être. Peut-être on a le niveau de la World Cup de Roubaix, peut-être. Heureusement qu'elle est filée là. Hein. Heureusement qu'elle est filée. Oh, Vincent Loader. Désolé. Genre, c'est elle qui te passe des crédits. Genre, tu dis, ouais, en ce moment, c'est un peu chaud, tu vois. Tu dis, vas-y, c'est elle qui te passe des crédits sur FIFA. Dans les gars, que vous êtes dans cette situation là, faites toujours là une sorte de petit piqué. Faites un petit centre. Vous avez vu là ou pas l'espace qu'il y a eu entre Cantona et Dembouz? En fait, son défenseur il était pas dans la bonne position. Je sais pas comment l'expliquer, je vais vous montrer au ralenti. Regardez l'espace, ok? Je vais remettre au ralenti proprement pour bien vous expliquer. Vous avez vu là l'espace qu'il y a, mon Cantona? Regardez, il y a personne. Il bouge pas. Parce que il a sorti son décès. L'erreur du frérot, c'est d'utiliser son défenseur central gauche qui est Eder Militao à la place de son DG. Ce qui fait que là, du coup, Cantona.
il a un espace de zinzin. Là, si j'avais fait la passe, cap de Villa, si j'avais fait une passe normale, cap de Villa l'aurait intercepté. Par contre, si tu fais un petit X, ça passe. Un petit lob, ça passe crème. Après, du coup, t'as tout l'espace. Et après, je pouvais soit faire la passe, soit tirer. Je mène 2-0, je me dis, vas-y, je tente l'extérieur. Donc, faites une petite passe lobée dans cette situation-là, les gars. Oh, les externes, c'est que des externes. Je voulais abattre l'ennemi, les gars. Oh la vache. Aïe. Vous avez vu, les gars, la rapidité? Il va quitter, mais c'est sûr, il va quitter. Oh là là, il s'agirait de quitter, monsieur, là. J'ai envie, les gars, d'ouvrir les player picks là, de Winter Wildcard. Ces trois là. Mais on termine, les gars, on fait encore 3 matchs sur Xbox. Après, on les ouvre. Après, on va sur Play. On fait le pack opening. J'ai envie de les ouvrir, ces trois là. Mais d'abord, j'ai envie de terminer mes 10 matchs là. Bah, en vrai, si tu tapes en Shoot Ceinture, tu peux peut-être le tester. Donc, moi, je te conseille de les ouvrir maintenant. Et après, tu fais les 3 matchs. Parce que si tu tapes en Shoot Ceinture, tu peux le faire rentrer dans ton équipe. Allez, vas-y, on ouvre. Bon, les gars, y'a pas de prédit. Je joue comme ça, c'est fait. Pas mal. C'est un beau fodeur. Et le dernier petit fut de sanction, s'il te plaît. Ah, on se plaint pas, les gars. T'es merci, bien en vrai. Merci beaucoup, Yé. Je vous adore. Tavernier SBC. Ouais, c'est une bonne carte. Moi, franchement, Tavernier, c'est une super carte. C'est juste dommage que c'est juste trop difficile de trouver du lien. Mais alors, ça, je trouve que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent, les gars. C'est les timings rouges qui sont des timings verts en déguisé. Parce que là, c'était un timing rouge, on est d'accord. J'ai fait le bon timing pour moi, après, ils ont montré le timing rouge. Mais pour moi, c'était le bon timing. Parce que la balle est partie comme un timing vert, surtout pour une frappe de DC. Mais moi, je trouve que c'est de plus en plus. Je sais que c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent. Alors, les gars, non, mais. Enfin, en vrai, faut rater les timings. Contrôle et tu tires. Allez. Ça, c'est caractéristique tête puissante, les gars. Oh, bien joué. Par contre, il devait attaquer le ballon là. Ouais, il a attaqué le joueur plutôt que le ballon là, mon défenseur, le petit Clusterman. Oh, bien joué. Belle virgule. Bien joué, il était vraiment fou, hein, l'adversaire. Bon, les gars, le dernier match de la vidéo. Et le mec, juste avant, du coup, c'était un TikToker, les gars. Il s'appelle Droxy. Sûrement, vous devez connaître si vous êtes pas mal sur TikTok. Et un match très fun à jouer. Vraiment, j'ai bien kiffé, les gars. J'ai bien vraiment kiffé. Donc là, du coup, c'est le dernier match d'aujourd'hui. Ou l'avant-dernier. Oh, bien joué. Oh, le rebond. Oh, il est effrayant, le rebond. Mais normalement, je dois marquer avec Cantona. Mais le rebond, il est effrayant, les gars. Il est dégoûtant, même. Il vient sur Dembélé. Ah, il est dégoûtant. Ça, c'est un problème de FIFA. Alors, les gens comprennent pas trop. Et tu vois, la plupart des mecs auraient ragé. Ils se disent en mode, ouais, le jeu est comme ça. Parce qu'en fait, les gars, les rebonds dans FIFA, les gars. Attends, je monte vite fait montrer le rebond. Remonte le rebond. Voilà, c'est la frappe de Cantona. Le jeu est codé d'une certaine manière. Il n'y a pas de balle morte dans FIFA. Tu vois, dans le football de tous les jours, tu sais, quand le ballon est entre les deux, quand il y a pas le ballon est pas entre la possession de quelqu'un, il est entre deux. Dans FIFA, le jeu est codé d'une certaine manière que le ballon est obligatoirement dans la possession de quelqu'un, pour la possession de quelqu'un. Donc là, tu vois, par exemple, dès qu'il tire, il y avait une chance sur trois que ça arrive sur un de ses défenseurs. Mais non, ça arrivait sur qui? Sur Ousmane Dembélé. C'est ça le problème de FIFA, parce que le jeu est codé de cette façon-là. C'est le jeu, les gars. Voilà. Bon, après, je mérite de gagner ce match, y a pas de souci à avoir. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut pas s'énerver parce que tu dis que c'est le jeu et que tu peux rien faire. Donc voilà, les gars, les 10 premiers matchs, franchement, je me suis régalé. J'avais un peu. Il fallait que je rentre dedans dans ce championnat, mais je me suis régalé, les gars, pour le coup. Donc c'est cool. Et je sais pas si je vais vendre Dembouze maintenant. Et comme ça, les derniers matchs, on se fait avec un autre joueur. Je pense qu'il y a moins qu'on vende Dembouze. À voir. A voir, je pense qu'il a dû peut-être monter un peu là. Donc 133 000, 134 000 peut-être. Ouais, à voir. Mais en tout cas, les gars, si vous avez kiffé,
le gros pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche de notification. On a fait 50% du travail. À vrai dire, on a même fait 55% du travail au niveau des récompenses cette semaine. Les gars, je n'ai pas peur de le dire, je vais jouer que pour avoir les meilleures récompenses possibles. Comme d'hab. Bien joué, Vince. Les gars, merci de votre soutien. Moi, c'est Liam. Gros bisous, les gars. Moi, c'est Vincent. Ciao.